Eh bien, salut à tous, c'est GameWolf pour une nouvelle vidéo sur Vigor, un jeu que je devais vous présenter il y a un mois. Oui, là, c'est la saison 7, on n'est plus pendant Noël, hein. Voilà, c'est un différent décor, hein. Avant, il y avait beaucoup de la neige, etc. J'ai, bien sûr, le pass de combat de Vigor, parce que je l'ai acheté hier soir, je crois. Oui, hier soir. Et il est tellement stylé. Putain, c'est de la bombe. C'est de la bombe parce que c'est dans l'univers. Voilà, militaire, etc. Et moi, tout ce qui est militaire, j'adore. Voilà. Attendez, je m'attaque. J'adore, je dis. Voilà, ça c'est tellement stylé. Bon, j'ai dommage que j'ai pas le casque noir. Hein. J'ai pas le casque noir. Ça c'est dommage. Là, on a une masque à gaz. Hein. Normalement, si je danse. Attends. What the fuck? Ouais, je siffle à travers. What the fuck? Ah, voilà. 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 Vous avez entendu, vous l'avez entendu, hein. On va récupérer nos ressources, hein, parce qu'on a des petites ressources par-ci par-là à récupérer. On a une usine. On va partir avec une usine. Non, je vais pas. Je vais pas partir avec une usine, mais je vais partir avec une. Allez. Voilà. On va partir avec une AKM. Ça, c'est une des meilleures armes. Genre, niveau précision, c'est elle. Hein. Ou vraiment, elle a plus de précision que l'AKM. C'est celle. Celle-ci. Attendez. Attendez, attendez. Voilà. Ça, c'est à peu près la meilleure arme du jeu. On va dire ça. Pas la meilleure arme au niveau dégâts. Parce que bien sûr, c'est pas ça qui fait plus de dégâts. Hein, au niveau des fusils d'assaut. Hein. C'est bien sûr ça. Je crois que c'est celle-là qui. 32, 40, 32, 29, 34, 33. Ouais. C'est vraiment ça qui fait le plus de dégâts sur ce jeu. C'est vraiment le Magnum qui fait le plus de dégâts en or. Voilà. On va prendre 120, hein, 120 munitions pour vous mettre dans le pâté. Voilà, tellement stylé. En plus, j'aimais bien. Au début, je voulais acheter le pass de combat de la saison 6. Mais pour finir, j'ai acheté la saison 7. Voilà, il y a une nouvelle map. Hein. On va tester. On va aller en expédition batterie de drogue. A tout de suite! Donc ouais, c'est vrai, le batterie de drogue ici aussi, le batterie de drogue, oui, c'est une drogue, c'est une drogue. Bref. Cherchez des ressources, un largage est prévu, oui, il y a un largage en fait. Vigor, c'est un jeu post-apocalyptique, moitié zombie, moitié. Non, je déconne, de toute façon, si. Voilà, je suis niveau 12, hein. J'ai acheté pas de combat hier soir, hein. J'ai pas joué longtemps. Oh, c'est bien, s'ils ont pas beaucoup d'armes, hein. C'est super cool ça. À part lui qui a une descente. Bon, bref, on va se mettre en. Ça fait tellement stylé avec le masque, il faut juste la tenue noire. Avec le casque noir, mais ça y est, hein. C'est dans le passe de combat. Je sais que le casque il peut devenir noir, il y a des lunettes vertes noires, il y a des lunettes. En fait, l'équipement complet, je crois, il peut être noir, vert militaire, kaki et bleu, je crois, bleu marine, il me semble. Il me semble. Bon, je vais me rapprocher. Tac, voilà. Let's go. On va chercher des petites ressources, hein. Je veux XP à masse. On va aller se faire. Oh putain, je suis loin. On va aller se faire la caisse verrouillée là-bas. On va aller se faire la caisse verrouillée. Il y a de la brume, hein. Ça va être super chaud par contre. Ah oui, merde, j'ai pas pris de médicaments. Ça commence déjà. On va aller vers le bruit.
Bon, on va rester ici. Tac, je vais recharger mon pistolet. Il est caché quelque part. Putain, je l'avais vu en plus. Bon, on va sortir par là. Ouais, je suis concentré, c'est normal, mais c'est normal que je parle pas beaucoup dans mes vidéos, surtout sur Vigor. C'est ça qui est un petit peu chiant, quoi. Parce que c'est un jeu de concentration, en fait. Bon, on doit récupérer des ressources, hein. On va se récupérer quelques ressources parce que sinon. Il y a un bombardement. Ça, c'est un malus que je viens de poser là. Il y a quelqu'un. À mon avis, il est caché dans le buisson. Il est caché quelque part.
Je veux pas sortir par là. Mon gars, c'est en fait c'est chaud, c'est ultra chaud. En fait. The airdrop is en route to your area. The drop zone is marked on your map. Get ready to go for it. Il a déjà été fouillé. Il y a quelqu'un qui a déjà passé. Ça tire au sniper. Ça c'est reçu. Ouais, c'est barré avec le colis. Il est passé pour moi. Il vient de se faire tuer.
je sais où ce qu'il est. On se casse. Let's go. Bon là, on s'est cassé de l'expédition. J'ai pas retrouvé le type qui... J'ai pas retrouvé le type. Dommage. Bien sûr, on va pas se quitter sur ça. Hein. Je suis pas un bâtard quand même. On va faire quelques matchs à mort pour vous montrer qu'est-ce que c'est. Pour vous faire montrer du gameplay au niveau du shoot. Etc. Parce que là, j'ai fait que me balader... aller dans les buissons. J'ai croisé 4 personnes sur ma route. 4 personnes. Ça va, j'ai quand même ramené des petites ressources par-ci par-là. Ça me fait quand même du truc hein. C'est pas la mort. Bon, on va se retrouver sur Zargiad. Donc voilà. Oh, ça c'est gratuit. Ça c'est pour vous les abonnés. Donc là on m'a fait spawner. J'ai cru que j'avais spawné avant tous les autres en fait. What the fuck? Je sais pas comment ça se fait. Nick, t'es mort toi, fils de pute. Hein. Oh la para, je l'ai jamais testé. Ah merde, putain, fait chier. Et il est venu, il est revenu hein lui. Putain, il est revenu pour me tuer. Il est revenu. Ah ça c'est la nouvelle arme. C'est la nouvelle arme du jeu. Oh putain, je lui ai mis un headshot. Ça fait headshot. Ouais, je l'avais pas vu. Wesh. Je l'avais pas vu. What the fuck. Je l'avais pas vu. Mais wesh. Oh, mais c'est des contours. Regarde le type, il reste là. Il reste coincé là. Et il attend. Petite salope, quoi. Mais oui. Ça s'appelle du viol. Là, c'est tellement gratuit ça. Là je lui ai mis un headshot. Il m'a dit que t'es mort, fils de chouin. Ah mais c'est moi ça.
Voilà, toi t'es mort. Et il revient à chaque fois en plus, hein. Non, je l'ai pas anticipé. Je l'ai pas anticipé. J'ai tiré trop tard à la dernière minute. Ah ouais, le mec il est en dessous. Il est en dessous cet enfoiré. Ok. Oh mais c'est des deux sur moi. Deux sur moi, carrément. Ah bah. Ah bah là il a gagné l'autre là. Cette petite pétasse là. Le schtroumpf. Ah oui, et on peut aussi ouvrir des coffres. Hein, quand on est en match à mort pas. En mêlée générale. Plutôt. C'est quand on est en mêlée générale, genre solo vs solo vs solo vs solo, etc. Vous gagnez des caisses si vous êtes troisième. Genre vous gagnez une seule caisse quand vous êtes troisième. Vous gagnez deux caisses quand vous êtes deuxième et quand vous êtes premier, bah ouais, trois caisses. Voilà. Voilà. Voilà, petit pack opening. Bien sûr, je vais avoir plus de chance parce que j'ai le pass de combat. Hein. Voilà. Je l'ai compris hier parce que j'ai eu plein de trucs. J'ai eu beaucoup de trucs légendaires, etc. Oh là, j'ai déjà plus de. Attendez, je vais refresh. Et normalement, j'ai pas des caisses. Bon, ah si, j'ai une caisse blanche. Une caisse blanche. 3M16, hein. Ça va, c'est pas ça. Donc voilà, c'était le petit jeu Vigor avec Game Wolf. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo et de commenter la vidéo si vous aimez bien ce petit jeu. Ciao!